Je m'appelle Jérôme Desautels, je dirige une entreprise qui porte le nom de ma famille et qui œuvre dans le monde de la protection du risque incendie, dans le monde du travail de façon générale. L'entreprise, elle a été créée en 1932 par trois frères autour d'un produit qui reste un produit fort chez nous, qui est l'extincteur. Dans les années 80, la société a évolué autour des métiers de maintenance. Et depuis la fin des années 90, le début des années 2000, nous avons élargi notre offre autour de toute la problématique du risque incendie dans le monde du travail. J'ai rejoint l'entreprise en 1994 et je la dirige depuis une dizaine d'années. En 1990, nous réalisions 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, nous avons fait pratiquement 210 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes aujourd'hui à peu près 1300 personnes dans le groupe. Nous exportons aussi notre savoir-faire aux quatre coins du monde. Nous avons beaucoup de concurrents, bien sûr. Nous avons en revanche une particularité, c'est que nous sommes les seuls à couvrir l'intégralité du spectre du risque incendie dans le monde du travail. Il y a un cap que doit avoir toute entreprise, c'est garder sa capacité d'adaptation à des évolutions des besoins du marché et de savoir saisir toute opportunité nouvelle qui se présente. Ça nécessite beaucoup de flexibilité, de réactivité, de modestie aussi parce que il faut savoir constamment se remettre en cause. Et si l'entreprise peut conserver encore longtemps cette capacité-là, je crois qu'elle a encore beaucoup d'avenir. Il y a au moins 50 ans que le groupe Crédit du Nord nous accompagne dans notre aventure. Aujourd'hui, c'est sous l'angle de la Banque Rhône-Alpes. D'abord sur le financement de notre cycle d'exploitation. Deuxième angle d'accompagnement, c'est celui des investissements. Et dernier point, les opérations de croissance externe. Ce qu'on recherche, c'est une certaine stabilité. Depuis de nombreuses années, nous échangeons régulièrement sur les enjeux de l'entreprise, ses difficultés, ses joies. Il y a une relation qui se crée sur la durée, de confiance réciproque. Ce que nous apprécions au sein du groupe Crédit du Nord et de la Banque Rhône-Alpes en particulier, c'est que les centres de décision sont proches et avec une très grande réactivité.